Je vous dirais que c'est assez challengeant de se promener aujourd'hui. Les sites à voir sont un peu à l'extérieur de la ville, du village. Et hier, il m'est arrivé une mésaventure. En embarquant sur mon motobike taxi ou peut-être en cours de route, j'ai perdu mon guide de voyage, mon livre. Et visiter une ville sans guide de voyage, sans carte, c'est relativement difficile. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc on m'a écrit le nom des places sur un petit papier. Et je me promène de route en route à demander les informations aux gens qui m'entourent. Et ils me répondent du mieux qu'ils peuvent. Mais disons que quand tu rencontres personne pendant un petit bout de temps, c'est pas mal plus difficile de trouver son chemin. Mais ça fait des belles rencontres, des belles aventures. Un bon défi, comme je les aime, vous le savez. Fait que là, je suis rendu dans des... ça s'appelle une cave. Janvu Cave, quelque chose comme ça, je vais vous le redire. Mais en tout cas, j'ai pas vu rien à l'intérieur des caves. Mais beaucoup de tutupas. Donc, je m'en vais voir ça de plus près. Il faut marcher seulement quelques kilomètres à l'ouest de la ville pour découvrir la merveilleuse grotte de Shwe Oo Min. Et une fois rendu là, bien c'est 1000 ans en arrière qu'il faut retourner pour s'imaginer l'époque à laquelle cette grotte devint un sanctuaire. Bon, c'est certain qu'au départ, on ne retrouvait pas autant d'images du Bouddha. Mais aujourd'hui, en se promenant dans les plus ou moins gros couloirs de cette grotte mystérieuse, bien on peut contempler des milliers de statues du Bouddha. Et sérieusement, c'est vraiment impressionnant. Le nom de la place, c'est Shwe Oo Min Cave, et c'est vraiment fucked up. Mais le nom le dit, c'est une cave, une grotte, et à l'intérieur, il y a des centaines de Bouddhas, des petits, des gros. On se croirait un peu comme dans Trésor National. De pouvoir se promener ici tranquillement en toute liberté, c'est assez spécial pareil, parce que ça me laisse tout le temps que je veux pour admirer les détails. Chaque Bouddha est fait différemment, des tailles différentes, des matériaux différents et des styles différents. Et chaque détail est tellement impressionnant. Au total, on compterait plus de 8000 statues. Certaines laissées ici il y a des siècles, tandis que d'autres datent de quelques années seulement. Bref, ça vaut vraiment la peine de venir se promener dans cet environnement mystique, surtout avec le petit éclairage, qui reflète la dorure des Bouddhas. On se croirait un peu dans la caverne d'Ali Baba.